Ouh, salut. On est où? Il fait froid, monsieur, on est au pôle Nord. Monsieur On est David. David, ah, c'est David alors. David, c'est David. Alors, c'est... Vous vous souvenez, il était venu dans Retro Game Test pour tester Gogo Ackman. Ackman. Gogo Ackman avec un peu plus de cheveux. Voilà, et là on est juste derrière. On est au Reset. Et c'est quoi le Reset? Parce c'est qu'il caille, on va y rentrer. C'est un nouveau bar dans Paris. C'est un nouveau bar dans Paris qui vient juste, enfin qui ouvre ses portes dans 3 jours. Et c'est un bar où tu peux picoler, tu peux manger un petit truc et tu peux jouer aux jeux vidéo. Mais vraiment jouer, vraiment jouer, vraiment, t'as vraiment. Des bornes, des consoles partout, c'est oh. Sur deux niveaux, c'est génial, viens on y va. Alors attends, parce que, alors ouais. Juste pour que vous sachiez, moi je ne suis pas rentré. C'est vrai. Je viens juste d'arriver, j'avais mon sac à dos, je lui ai dit va ranger mon sac, mon sac à dos, va le ranger. Et on le fait. Et moi je vais faire la découverte de cette salle, de ce bar. Ouais, de ces deux bars avec vous ensemble, donc on y va, let's go. C'est parti. Let's go to the reset. Ça va, on a le droit de rentrer, d'entrer, on est autorisé. Ouais, t'es autorisé toi. Oh, c'est beau. Je t'ai mis sur liste. Oh, c'est beau hein. Oh. 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 Donc là on peut jouer. Ah c'est super beau. C'est super classe. Oh là là. Oh là 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 là. En bas, qu'est-ce qu'il y a en bas? En bas, bah viens. Il y a de la musique. Attends, on fait pas cet étage là d'abord? Tu veux faire cet étage là? Pourquoi? Il y a du monde en bas, on fait la fête. Non, il y a des trucs bien en bas. Il y a des trucs bien. Mais il y a autant de trucs bien ici quoi. Il y a déjà, ah je sais ce qu'il y a en bas. Parce qu'en fait David il va nous montrer quelque chose juste après. Alors attends, donc déjà on a un bar ici. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait dans un bar? On boit de l'alcool, on boit du soft, on boit des cafés, on boit voilà, mais si tu bois de l'alcool en même temps c'est avec modération. Et moi je prends des popcorn. Hein. Vaut mieux. Hein. Alors, explique-moi, donc c'est ton bar, c'est ça? Non, c'est pas mon bar. Bon, c'est quoi un peu l'idée du reset, c'est quoi? C'est un. Bah l'idée du reset, je pense que la personne qui va le mieux pouvoir en parler, ça va être Alida. Ouais, alors, j'irai la voir après, attends, viens, on fait un petit tour. J'irai lui poser des questions hein, d'accord. En mode d'où, le comment, du pourquoi, du comment. Alors, le truc c'est que le reset fait des. Sur toute une année, il va exposer 11 artistes. 11 différents. Artistes, d'accord, ouais. Donc il va y avoir des artistes qui font du triangulisme. Des artistes. Des triangulismes. On est dans le plutôt Braque, Bazarelli. Braque. Alors attends, oui, ça c'est du pipis que t'es en train de me dire du truc. Non, donc ils exposent leur. Ils exposent 11 artistes différents dans l'année. D'accord. Ils n'écoutent jamais personne. Dont toi. Dont moi. Oh, monsieur est un artiste. Sortez Kamdouli là. Oh là là. Oui, donc, et ça c'est quoi ça? Parce qu'en fait, je m'en fous de ce qu'il dit. Justement, j'ai pas eu le temps de poser la question. C'est une combinaison, mais je. C'est la tienne. Oui, 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 c'est vrai que ceci. Bon, un bon jeu qui tourne derrière. Alors, oui, alors c'est, dans l'idée, en fait, les consoles, ils tournent comment Metal Slug, il tourne comment là? Faut que tu m'expliques, il n'y a pas le jeu. C'est quoi cette arnaque? C'est pas mon bar. Ah, l'arnaque, tout de suite, l'arnaque, je l'ai vu tout de suite. Et donc là, effectivement, donc en fait, on a des consoles qui sont dans des petits. Dans des vitrines, c'est plutôt chouette. Et en fait, l'idée, c'est qu'on vient jouer. Ouais. Et consommer. Bien jouer, consommer avec tes potes et avec des jouets à l'ancienne qui sont un petit peu partout en décoration. Ouais, je vois ça, notamment le Mario en fait, ce petit Mario, c'était au Japon pour annoncer les shops qui étaient Famicom. C'était Nintendo qui donnait cette petite figurine là. Non, c'était la petite statuette pour dire que c'était un revendeur. Famicom, de la Famicom, c'est la NES japonaise. Ouais, on est bien, j'aime bien cet endroit, on est. La bière Fallout, mais la bière quoi. On peut la prendre, on peut l'ouvrir. Non. Attends, ouais. C'est quoi ces trucs là? Attends, allez, je te suis un petit peu là. Alors, vas-y. Alors. Toujours de la déco, encore de la déco. Il y a un truc, c'est énorme, c'est la borne Ghostbusters. Oui, au Ghostbusters, tu peux jouer. On va la voir. Je ne voyais pas du tout à quoi ça ressemblait. Alors, ça, c'est un jeu de Data East. Et en fait, à la base, c'est un jeu japonais dont je n'ai plus le nom.
Et aux États-Unis, ils l'ont retranscrit, ils ont changé un petit peu et c'est devenu Ghostbusters. Mais à la base, au Japon, c'est pas le même jeu. Tu le savais, ça ? Avec du citron ? Bien sûr ! Voilà ! Bien sûr ! Oui, alors, oui, en fait. Ah, c'est plutôt une belle bande en fait, ouais. Ouais, c'est une belle bande. C'est une dédiée. Je sais pas si tu connais le mot dédié pour parler des bornes. Oui, les bornes génériques. Alors, c'est pas une... Alors, techniquement, c'est une générique parce que tu peux y mettre n'importe quel jeu. Oui, mais elle est dédiée. Mais elle est dédiée du fait qu'elle est, elle a été, voilà, elle est customisée pour le jeu, pour ce jeu-là. Donc, on peut dire que c'est une dédiée. Ok, donc, bien, on est. C'est sympa, regarde, tu peux même faire des photos ici, mode. Mode quoi ? Mode Sonic sur les palmiers. Mode Sonic sous mode, les palmiers. Mode branleur, ouais. Mode Sonic sous les palmiers. Ok, donc, on y va. Alors qu'on va où alors ? On va descendre. C'est quoi ça ici là ? Ça, c'est les jetons qui te permettent de payer tes consommations. Ah, donc je suis riche là ? Donc, là, t'as un verre. Là, t'as un verre. Donc là, si je vais avec ça, j'ai un verre. J'ai le droit à un verre. Normalement, t'as le droit à un verre. Normalement. Bonjour, normalement, est-ce que j'ai le droit à un verre avec ça ? J'ai le droit à quoi ? Tenez, regardez. Mais tu sais que quand tu dis il dit un verre d'aller, mais que quand je vais en boîte de nuit, souvent je demande un lait fraise et le mec il se fout de ma gueule. Ah ouais. Et là, ce genre ça arrive. Alors qu'est-ce que je peux prendre alors ? Il y a du lait fraise ? Ah mince. Un mojito, un rétro mojito. Rétro mojito. C'est beau ça. Moi j'aime bien. Et donc je dois vous le donner ou c'est là c'est pour la forme ? Si quand même. Parce qu'il y en a plein là-bas. Je ne veux pas que réussir à me subtiliser un peu plus. Oui. Bah, si tu veux te pinter, tu chopes le truc à Alida, t'es tranquille. Hein. T'as dit ? Si tu veux te pinter ce soir, tu vas choper le truc à Alida là. Donc alors, donc en fait tout le temps on vient et c'est gratuit à chaque fois ? Non. Moi après je peux te dire oui, je m'en fous, c'est pas mon bar. Donc en fait vous venez et c'est tout le temps gratuit ? Non. Il répète, non. 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 C'est genre en vrai j'ai des parts mais je veux pas le dire. Non. Non, les seules parts que j'ai dans le resto c'est ça. J'en ai plus que ça si tu veux. Mais, n'empêche, c'est un putain de goodies. Oui c'est sympa. On est d'accord. Donc le reset toujours en rapport avec le reset de la console. Sympa, vraiment sympa. Vraiment. C'est design, c'est lounge. Comme nous. C'est comme nous. Comme nous. Alors, bon, il est long ce verre. Qu'est-ce que vous buvez les gens, j'ai demandé un mojito rétro. Ah, bah, c'est ça. Ah, parce que les gens, en fait, vous attendez. Tu t'es cru dans une chaîne, toi. Tu t'es cru chez McDo. Tout le monde attend, là, qu'on descende en bas. Ils attendent tous qu'on descende en bas. Ici. Ah, je suis là, hop, regarde. Hop, crotte de nez. Ah, il est con. On fait quoi ? On descend et on. On va attendre ton verre tranquillement. On va attendre mon verre quand même. T'inquiète. Hop, bah attends, alors moi. Mais non, jamais de montage, pas de montage. La base, c'est que c'est du one shot. C'est plutôt sympa, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, il y a une ambiance bar, mais il y avait eu aussi, j'avais fait une vidéo aussi il n'y a pas si longtemps que ça au... Dernier bar ? Non, pas au dernier bar. Et tu sais quoi, c'est pas bien là, je m'en souviens plus. Bref, et c'était un peu... Qu'est-ce qu'il y a ? Tu rigoles, c'est ça ? Ouais. Ouais, c'était quoi ton bar ? Mince ! Tu sais où ils ont tous les sirops et tout là ? Attends, en fait, je viens de voir... Non, attends. Oh, il est vraiment chouette celui-là. Il est joli ce Yoshi là. Bon, est-ce que notre verre, t'as pris un verre ? Moi j'ai ma bière qui est en bas qui m'attend. D'accord, bon. Est-ce que mon verre. Ah ! Merci. J'ai dit merci. Merci. Et merci madame. Merci mademoiselle, madame. Ça marche bien. En plus, il est très bon. Alors, là, on va descendre. L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Hein. Et c'est en bas qu'il y a, ce que j'expose. Mon précieux, parce que tu exposes ce soir. Ouais, ouais. Alors vas-y, allons-y. Bah, j'expose tout le mois de mars, jusqu'au 15... Et on peut venir te voir, là, par exemple ? Ce soir ? Non, les autres soirs, si je suis là, oui. Si on me donne
rendez-vous. Si, hey, si tu m'offres un verre au Risette, je viens. Et on regarde les gars ensemble. Vas-y, moi je te suis là. Ça avance bien. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est. Alors. Ah, tu me suis. Oh, mais qu'est-ce que c'est joli. Moi je suis de c'est joli. Oh. Oh mais qu'est-ce que c'est joli. Ah ton verre il était là toi. Le mec il a son verre qui l'attend. Alors nous sommes donc dans la partie où... Oh qu'est-ce que c'est beau. On expose. Ah, c'est ça. Oh, eh. C'est joli. Et c'est normal joli. Que ce soit éclairé comme ça. Vous le voyez pas encore. Oui c'est... Je fais durer le suspense. C'est des cadres en LED. Vu que ce sont de vrais films... Voilà, voilà. Attends, les choses sérieuses méritent que je pose mon verre quand même. C'est quand même. Alors en fait, là tu exposes, vous ne le voyez toujours pas, là c'est ce que tu exposes. Ouais. Tournons-nous. Et donc, alors qu'est-ce que c'est? Alors est-ce qu'on va bien le voir? Ouais, on va bien le voir en général, ça voilà. Alors vas-y, et là je me mets là, je vais. C'est quoi ça alors? Des radios? Du rayon X? David? C'est David? Ouais, ou c'est David. C'est David. C'est David qui fait des... Tu sais, genre, t'sais, ça fait très, très schizophrène, c'est David. Genre, on est trois dans ma tête, on n'a pas tous payé le loyer, on a du retard. Mais bon. Alors, c'est quoi exactement? C'est des radios, c'est des... Bon, là, j'ai d'autres choses, mais là, j'ai shooté une Super Nintendo, un Game Boy, un Facehugger, une manette de PlayStation 4, sous des rayons X, dans un d'accord. cabinet radiologique. Donc, au lieu d'aller faire une radio de mon bras, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire des radios de ça. Donc j'ai récupéré les radios. Ouais. Et je me suis dit, attends, j'ai récupéré. Donc en gros, t'as été les faire. Ouais. Donc tu es parti dans un hôpital, dans une clinique, dans quelque chose où... Dans un cabinet radiologique, ouais. D'accord, carrément. Donc c'est-à-dire que là, la Super Nintendo que nous voyons ici. Ouais. Qui est ici, ouais. C'est une vraie Super Nintendo que tu as fait passer en dessous un scanner. Ouais, c'est enfin, Un radio, scanner. Une radio. Voilà, quand tu vas prendre ta radio, respirez pas. Quand pareil. Tu passes en dessous là, ah, c'est exactement la chose. T'es ouais. sérieux? Ouais. D'accord, ah, c'est génial. Alors attendez, est-ce qu'on le voit bien? Ah, non, on le voit très bien. Ah, c'est magnifique. Et donc alors là aujourd'hui ce soir tu exposes jusqu'au mois d'avril. Ouais. Et ça donc ça tu les vends ou comment ça se passe? Je les vends, ouais. Au début j'ai fait un Instagram, j'ai fait une page Facebook. Ouais. Il y a plein de gens qui m'ont dit oh c'est magnifique, c'est génial, où est-ce qu'on peut en acheter? D'accord. Et je me suis dit bon bah je vais ouvrir un shop, je vais rééditer des radios, donc je garde les originaux, je les réédite, c'est exactement les mêmes. D'accord. Sauf qu'il y a une petite mention qui n'est pas visible sur une réédition. C'est-à-dire. Donc bah si un jour, écoute, si tu m'achètes un original, combien ça vaut une édition limitée. Vas-y, dis le prix, annonce qu'on. Soit je cours ou soit je reste. Non je pense que tu restes parce que contrairement. Ah bah alors dis-moi la Super Nintendo. Super Nintendo, on est à 210€. Ah, donc il y a quoi pour 210€? Le cadre, il y a ce que tu vois là. Donc c'est-à-dire qu'il y a le cadre avec la lumière. Ouais, tu as ton cadre LED avec un petit transfo que tu branches sur l'électricité et la radio qui est à l'intérieur, comme si tu étais chez le radiologue. Tu m'as même dit que tu t'es pris la tête pour avoir des beaux cadres, pour tu as vraiment cherché ouais, ce qu'il ouais, fallait. Ouais. Et ben, j'ai cherché la qualité à un meilleur prix. Sinon, à la base, c'était entre 400 et 500€. Ah ouais. Le cliché. Ah ouais. Parce que entre la privatisation du cabinet médical, ça a un coût. Les cadres, ils avaient un coût. Les films, la boîte de films radiologique, ça a un coût. Ah ouais. Le matériel, le cadre arrive sans transfo, sans rien. J'achète tout à côté, je fais le tout et voilà. Donc ah, c'est pas des cadres voilà. qui arrivent avec de la lumière. Ils sont pas faits pour la lumière. À la base, si ils arrivent, ils sont faits pour de la lumière. Ah oui, mais c'est toi qui rajoute. C'est moi qui rajoute la prise et tout, donc d'accord. Et l'accroche et voilà. Ok, c'est franchement. C'est frais. Sartek. Bon, on continue un petit peu le voyage. Vas-y, allez, on y va. D'accord. Eh, hey, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc David expose. Donc tu es le premier exposant sur 11 dans l'année. On est deux pendant le mois de
pour le lancement, on est deux. Il y a moi et un autre artiste qui fait donc du triangulisme, c'est, on appelle ça comme ça. Idéalise avait fait du triangulisme. Et d'autres artistes en font, c'est quelque chose de très à la mode. Et... Donc là, c'est un DJ. Là, c'est un Didier. Didier, oui. C'est un Didier. Exactement. Et elle est rétro, votre platine, elle est... Non, au contraire. Ah non, au contraire. Ah, il est même pas raccord, c'est pas bien ça. C'est rétro éclairé. Et voilà. Donc, alors après, c'est pas moi de faire la pub de ça, qu'est-ce que tu me fais là? Bah alors, je sais pas, Non, mais voilà, c'est des cadres entre avec du triangle. Du triangulisme. Tout est triangulé. Ah oui, ah ouais. Voilà. Sympa. J'aime bien ces termes, triangulisme, plutôt braque. C'est pour ça qu'on appelle le triangulisme. Plutôt braque. Vasarely. Bon, on a presque fait le tour, qu'est-ce que t'en penses? Bien voir les toilettes. Ah, tu sais quoi, en plus j'ai envie de pisser depuis tout à l'heure. Excusez-nous, on... Attends. Attendez, monsieur Dave, on n'a pas vu là-bas, il y a quoi? Ah! Tu fais de la musique, Wawa? Ouais. Non, sérieux? Non. Non, hein. Non. Quoi? Ça aurait pu être cool qu'on joue ensemble. T'en voulais qu'on le teste? Ouais, mais avec des vraies guitares. Bon, montre-moi les toilettes. Alors, en fait, y a qui comme patron ici, là, ce soir? Victor. Ouais. Y a pas une demoiselle? C'est sympa de discuter avec une demoiselle, non? Voilà, là t'as plusieurs toilettes avec des thèmes à l'intérieur. Ah non, pas celui-là. Il y en a qui ont essayé. Ah, alors ceux-là, ils ont pas de thème. Ah, attends, mais en fait, t'as envie de me vendre un truc. Et là, tu vas dans les toilettes, tu fais. Oh, mais c'est génial! Tiens, je vais pisser sur un gros bass. Ah bon, c'est ça ton truc à thème? C'est ça qui a thème pour toi? Il est con. Mais qu'est-ce qu'il est con? C'est vraiment super sympa. Hein. Sur mes doigts. Donc en gros dans l'idée, on vient s'asseoir ici et on joue tranquille. Voilà. Bon c'est qui le chef alors? Alors on a c'est plusieurs patrons. Ah. Mais là on a Victor. Oui. Qui va pouvoir te parler beaucoup mieux d'endroit que moi. Pardon. Donc c'est Victor qui peut parler de l'endroit comme il faut. Ouais, alors si tu passes juste quelques minutes qu'on finisse. Ah ça va être. C'est un plan séquence en fait, donc ça va être difficile. Ça va être difficile. Bon. Il est où Dave? Bien. Pourquoi ça t'a fait rire, c'est ça? Il t'a pété ton plan séquence. Oui, bah il n'y aura pas. Bah tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Ok, bon, on a fait le tour alors, dis-moi. Et là, c'est encore du triangulisme aussi là-bas, là, ce qu'on voit là, c'est le... Oui, aussi, c'est le même artiste. Alors, on va aller voir le dernier triangulisme. Je pense qu'on aura fait le tour de la soirée, hein. Et où ça, tu vois... Ah oui, oui, c'est fait à base de triangle. Alors, regardez, c'est sympa, je pose mon verre. Sur une borne d'arcade. Bon bah voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, Dave. Ouais, on a fait le tour, ouais. On a fait le tour, on va remonter en haut? Non, parce que monter en bas, c'est difficile. Oui, mais alors ça c'est mon défaut. Je monte en haut et je descends en bas, moi. J'ai un petit souci à ce niveau-là. Il y a un petit... Bon. Merci. Tiens, on va s'asseoir un petit peu là. Sinon, Linda peut parler du bar. C'est qui Linda? Comme tu le sens. Elle est où Linda? Alida. Bonjour Linda. Alida. Tu veux parler du bar avec moi? Alida. Non, bon, elle veut pas parler du bar. Et en fait, tu sais quoi? Il y a personne qui veut parler de son bar. On est venu dans un bar, c'est la première.
c'est l'inauguration. Et personne ne veut en parler en fait. Bah c'est pas grave. Si, il y a plein de gens qui veulent en parler. Bon, bon on va... Alors il y a peut-être personne qui veut en parler, mais il y a plein de gens qui vont en parler à venir. Ah d'accord. Ça c'est une certitude. Pas ce soir. Pas ce soir. Tout le monde est occupé. Tout le monde est occupé. Bon. Merci pour cette visite. Et bah, j'espère que ça vous a plu. Voilà, encore un lieu dans Paris. Faut que je mette dans le cadre à chaque fois. Mais là, on te voit bien là. Encore un lieu dans Paris comme ça. Mais c'est, ça fleurit de plus en plus. Hein. Ça fleurit de plus en plus, mais ça ferme de plus en plus aussi. Ça ferme de plus en plus. Il y a pas mal de bars qui ferment. Sur les thèmes jeux vidéo, ouais. Alors après, je sais pas pourquoi, mauvaise gestion ou mauvaise ambiance ou mauvaise fréquentation, je sais pas. Ouais. Mais voilà. D'accord. Bon. C'est bien que sur deux qui ferment, il y en a un qui ouvre. D'accord. Vraiment sympa. Et alors ça, c'est un concept. Il y a un reset qui existe aux États-Unis. Oui. Donc c'est un concept qui est amené des États-Unis. Je sais pas. Ça pourrait peut-être. Faudrait poser la question à ceux qui ne sont pas disponibles et qui ne veulent pas répondre à mes questions. Il est en pleine partie. Il est en pleine partie. Il préfère jouer aux jeux vidéo. Bah, c'est quand même l'endroit. Pour... au moins, c'est là que tu te dis le mec. C'est là que tu vois les mecs qui sont geeks à mort. Tu sais qu'ils peuvent pas lâcher l'affaire. Ils sont à fond. Non, je te parle du business demain. Demain, je finis ma partie. Vas-y, j'ai envie de te parler de ton truc. Vas-y, je t'achète, pardon. Ah, excusez-moi. Et ouais, enfin bon, je suis plus. Ah, jolie demoiselle, hein. Ouais. Ouais. Oui, bon, bah c'est cool, ok. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la soirée, on va s'amuser, on va terminer. Eh, hey, j'ai terminé mon burrito. Ouais, mais je vois ça. Tu vois ça. Bon, sur ce, à la prochaine, j'espère que ça vous a plu, une petite visite comme ça. Ouais. À la Wall Again, Augustus Fly. Voilà, donc je vais clôturer en disant l'adresse. Parle plus fort. Je vais clôturer en disant l'adresse, c'est au 17 rue du Cygne, à Paris, dans le premier arrondissement. Voilà, juste à côté des Halles. Il y a un site internet, il y a une page Facebook. Ouais, il y a un site internet qui s'appelle reset.bar. Comme un bar. Voilà. Bon, bah, à plus. Et tu veux revenir dans l'émission, toi, en plus. Hein. Ouais. Peut-être qu'il reviendra voter. Voilà, voter. Dites oui ou non. Appelle le 10-30-30 et appuie sur 1 si tu veux voir David dans l'émission Retro Game Test. Appuie sur 2 si tu veux voir Wawa dans Retro Game Test. Ah, ou appuie sur 3 si tu veux voir les deux. Allez, à plus. Ciao. Allez. Ciao.